pays. Nous disons dans Madiga et c'était réserve de la République. Je dis à la, nous ouais, Madame Maniga, nous yon poubelle de la République. Parce que rentrer dans Mita Ariel Henry, c'est pour rentrer dans yon bassin la boue, c'est pour Alchita non pile fatra et cap dégager mauvaise odeur. Là, c'est la corruption, c'est la vol, c'est la pillage, c'est là qui a fait sang couler. C'est-à-dire, Madame Maniga, venue pour justifier tout crime que Ariel Henry a fait. Madame Maniga, craché sous des faits Maril, qui c'est un homme conséquent, un homme de lettres, un homme de l'art. Madame Maniga fait route. Je dis à yon monté yon bagay et qui est ACT au Conseil de Transition. Nous maintenant au PNH, nous dit Abbas, en tant que militants, nous pas de droit en tant que peuple haïtien. Et nous, ouais, Madame Maniga cautionné chasse aux sorcières pendant Ndakadou outragé et journalistes, y a tué une en tête, ouais, y a tué la police. Maman Maniga pas dit rien. Ouais, y a fait massacre tout peuple là. Maman Maniga pas dit rien. Maman Maniga c'est un complot, c'est un bouse politique. C'est ça que nous dit, à cette nul et non avis, nous restons de revers des mains. À bas, à cette, arrêtez, à bas, à cette, à bas, à cette. Nous dit, nous besoin également, pour que dollars, peuple la vie de Jean Diaspora, voyez là, qui ça nous besoin? Dollars. Qui ça nous besoin? Dollars. Nous dit, si ce n'est pas les dollars 50 dans la diaspora, quittez là pour faire l'école. Même yon gagè, yon pa fèk dola. C'est ça que je dis à nous vîn devant Pokyo pour nous dire fèk dola descend, 50 goud pour peuple capable vivre. Nous bouquons, nous fatigués avec Ariel Henry, Jean-Baptiste Dubois, Patrick Boisvert. Merci. La personne en bas. Jodia. Et loi pays si et gaz là c'est un produit d'Akadou que ou pas qu'à venir dans la rue et la loi interdit à ce que gaz là vende dans la rue. Je dis à l'État haïtien et légaliser tout ça qui est illégal. Yo ou est-ce que c'est un petit galon gaz là à vendre? Et bien je dis à nous pour la rue ya, pour nous demander ben nous gaz dans le plan et faut que le gaz descende jusqu'à 250 gouttes. Et tout le temps pas descendre jusqu'à 250 gouttes. Et bien nous-mêmes, comme là, nous avons perdu 2 gouttes pour nous dire et peuple pas qu'on perd du bataille. Et tout le temps, c'est que les banques n'ont pas fatigué. Tout le temps, l'État haïtien n'est pas fatigué. Tout autant, le secteur corrompu qui est l'oligarque corrompu qui kembe commerce pays, qui kembe Mwetakadou et toute richesse pays, depuis après la mort et Papa Nation qui c'est Jean-Jacques Dessalines, et bien tout autant yon pas pour que nous-mêmes nous pas place. C'est ça fait, je dis à nous venir devant Bakio pour nous exiger de la capacité de défendre jusqu'à 50 minutes. Nous pas pousser des bouts assassins, nous pas faire le bataille, nous pas finir là, c'est pour faire beau, nous pas faire le bataille. Ici, c'est Cap Haïtien qui nous a donné pour réseau Nord-Ouest, pour nous, Capabrel, sitting, pour les organisations réalisées. Il y a devant Bankyo, là, nous, devant BRH, c'est là encore, il applique appliqué, planté, piquette, pour que nous soyons capables
demander des dollars américains capable de baisser. Mais tout pour demander pour que donc yo bay yo dollars j'accorde. Représentant OPHO fait qu'on est, il pourra continuer la bataille là, surtout après carnaval là, tout autant il n'y a pas de solution. Guino Duvernay, depuis Cap-Haïtien, pour Réseau Nord-Ouest.